En 2029, le monde a été sauvé par Julien Dubois. Ceci aurait pu ne pas arriver. Ce film raconte son histoire. Lundi 20 mai 2009, 120e jour d'expérience. Je passe mes jours à l'ESM, c'est cet après-midi. Mais faut que j'essaye. Je crois que je touche au but. Allez. Je vais essayer de voir s'il y a de l'autre côté. PDE Nightologic. Attends, on est où là? On est à l'ESM. Allô? Président, bonjour. Puis-je prendre votre commande? Bien, suis-moi à l'intérieur. Téléportation sur Poitiers validée. Mais j'ai pas demandé ça! Vous avez de nouveaux messages. Bonjour, Julien Dubois. Si tu en as marre des vacances sur Terre, fais appel à Space World. Space World, numéro 1 des voyages intergalactiques. Te propose en exclusivité un voyage sur Mars. Bonjour, Julien Dubois. Le service de régulation temporelle m'a indiqué que tu t'étais perdu dans l'espace-temps. T'inquiète pas, ça arrive tout le temps. Viens dans mon bureau pour qu'on règle ça. C'est un admisseur, c'est un admisseur. L'admisseur de qui? Sarah Connor. Non, Julien Dubois. Ok, suis-moi. Oui, c'est vrai qu'avec l'audité quiz, etc. Oui, tout à fait. Mais écoutez, j'attends de vos nouvelles et puis on se rappelle. Oui, c'est ça. Au revoir. Bon, écoutez, ce que j'ai compris, je viens du passé. Là, j'en ai marre, là. Faut que je rentre chez moi. Alors, soit vous me dites comment je rentre chez moi. Oui, mon petit Vianney, le lapin à la myxomatose. Je répète, le lapin à la myxomatose. Merci, mon petit Vianney. Je vous en prie. On m'apportera un café. Bien, madame la directrice.
Mais c'est bizarre. On voit que vous avez passé les oraux le 20 mai 2009, mais les résultats manquent. Mais ça veut dire quoi? J'ai pas été accepté, c'est ça? Écoutez, d'habitude, on arrive à les renvoyer facilement dans leur époque. Mais là... Mais qu'est-ce que je dois faire, là? Mais ça va pas me faire venir ici? J'ai tous les fédéraux sur le dos, moi. Calme-toi. Ici, c'est un endroit historique. C'est sécurisé, t'es hors de danger. Qu'est-ce qui me fait l'honneur de ton appel? Je veux que tu récupères un document. Quel genre de document? Celui qu'ils ont volé, pour que Julien Dubois ne soit pas admis à l'SM. Tu veux dire le Julien Dubois? Celui qui nous a sauvés il y a 10 ans? Absolument. Il y a une faille temporelle, enfin, je t'expliquerai. S'il n'est pas admis à l'SM, il ne pourra jamais devenir ce qu'il est devenu, et tu connais la suite. C'est pour ça que je veux que tu recrutes ta meilleure équipe. Les détails te seront envoyés sur ton iPhone 52. Tu sais que tout cela n'est pas gratuit. Et tous les frais de déplacement, je dois recruter une équipe, c'est... C'est un boulot phénoménal, tu te rends pas compte. Ne me déçois pas cette fois-ci. Absolument. Allô? Allô Lionel? J'ai un taf pour toi. Il faut que tu réunisses une équipe, fais-le. Le sel est dans les nouilles, je répète, le sel est dans les nouilles. Ok, bien reçu. Pareil pour l'extraction. Ok Jarod, à demain. Bon voilà, tu as été choisi en tant que nouveau, pour tes compétences et tes qualités. Le but de la mission étant de récupérer un dossier top secret, chez Monsieur Chéniaud. Come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. C'est bon, je l'ai fait. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Get back there. Well, I can see you hung with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do you? On a un problème, les gars. On a un problème, il arrive plus tôt que prévu. Plan B, maintenant! Bonjour, monsieur Chagnot, commission Equis, vous pouvez venir s'il vous plaît, 5 minutes, je veux juste vous parler. Well, I can see you are with me, but you are with another man, yeah. Ouais, Ronald, c'est bon, j'ai la feuille sur Julien Dubois, je te l'amène dès que possible. Ronald, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi! Mmh.
Pas de trace d'effraction, même mode opératoire pour les deux autres, selon le médecin légiste. La mort remonte environ à 22h, 30 minutes, 4 secondes, 3 centièmes, enfin, à peu près. C'est la voisine du dessus qui nous a appelé. Je pense qu'il faudrait appeler Derek. Derek? Bah, le mec de France 3, quoi. Mais il est mort! Oh merde! Crédi! Mais non, mais c'est jeudi, ça s'est passé jeudi. Ah bah. Et c'est pour ça que j'ai pris la liberté d'appeler Jane McFarlane. Jane McFarlane? La Jane McFarlane? Ouais, c'est la seule qui puisse nous aider. Bon, écoute, j'ai épluché tous les dossiers, j'ai interrogé 42 personnes, train de conclure. Ah bah tiens, justement, on vient de m'envoyer les résultats du labo. Alors? Bah en fait, j'avais raison, j'avais bien une petite angine. Non, j'ai parlé pour le meurtre. Ah, pour le meurtre? Ah bah on a retrouvé du grumose lactuosi qui est herbacé dans son estomac ainsi que du sulfate de cuivre anisé. Ah, la vache qui rit. C'est ce qu'il faudra découvrir, Jack. Bon allez, je recommence depuis le début. Mais pourquoi vous avez fait ce casse? Parce que on devait récupérer la feuille manquante et informer Julien Dubois. Mais quelle feuille? La feuille qui indiquait si oui ou non il était accepté à l'ESM en 2009. Mais pourquoi est-ce si important? Parce que si c'est important, parce que sinon ça aurait perturbé l'équilibre entre le passé, le présent et le futur. Mais quel équilibre? Ah oui! Ah non! Ah si, je crois que j'ai compris. Ouais, ça m'étonne rien. Et votre collègue, pourquoi est-ce qu'il est mort? Ils l'ont tué. Qui ça, Hills? Si vous voulez que Jane McFarlane continue à parler, tapez 1. Si vous voulez qu'elle se taise, tapez 2. Bon, et la feuille, elle est où? Elle est pas dans votre poche quand même. Bah si, mais... Ah bon? Ah, ah, quelle niche! Non. Bon. Et maintenant qu'il a pris la feuille, il peut rentrer chez lui. Bah ben voilà. Salut à toi, jeune admissible. L'année dernière, c'était moi qui étais à ta place. La bouche sèche, les mains moites, le stress, et bien sûr le costume acheté spécialement pour l'occasion. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir l'école. Allez, viens, suis-moi. Bienvenue à la cafette. Ici, tu peux donc avoir des sandwichs, des pizzas, des barres chocolatées et des boissons. Viens nous rejoindre entre deux cours pour te rassasier, mon petit. À l'ESM, on te propose une quarantaine d'associations, qu'elles soient culturelles, sportives, économiques, humanitaires ou bien encore artistiques. Oh ! Grâce au VDE, tu nous rejoindras lors du week-end d'intégration et tu participeras aux différentes soirées organisées tout au long de l'année. N'oublie pas, mon ami, c'est toi qui anime l'école. La petite face en profondeur, oui, la petite face, c'est la même. Wouhou! Ah, c'est bon, ça, c'est bon. Ouais, c'est chou. Ouais, t'as pas qu'on a fait le dossier. Ah, non. Vas-y, si je bosse, je vais ça à lire. C'est sûr. Non, mais là, allez, j'ai pas fini mon match. Ça, l'éducation accède. Nous sommes tous à la recherche de quelque chose. Certains recherchent la vérité.
d'autres simplement un document. Et certains cherchent d'où ils viennent. Pourtant, la réponse se trouve parfois derrière une porte. On se prépare comme on peut. Il suffit juste de faire un premier pas, de trouver le courage et de franchir cette porte. Il ne nous reste qu'à donner le meilleur de nous-mêmes. Never.